Et salut à tous les amis, c'est Isnoko et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Let's Play de Five Nights at Freddy's 3 pour la nuit 3. Du coup on s'était laissé ici, on est enfin du coup reparti. Là du coup la nuit va se corser, enfin pas encore, en fait ça dépend, c'est au bout de la nuit 3 ou 4 que les choses commencent vraiment à être dures. Ok, il a fini de parler enfin parce qu'il parle trop. Et voilà, bah il s'est barré, bah oui, bah évidemment, hein. il va pas rester en place. Hein. Attendez, juste remettre un peu le micro, excusez-moi. Voilà, juste pour que vous m'entendez bien. Après, je pense que vous m'entendez de base très bien. Mais voilà, c'est juste comme ça. Hein. Je fais ça en sorte de pas trop gaspiller la putain de ventilation de salope, ok? Grosse pute. Allez. Wesh. Ça m'a fait peur. Ok, il est là, ça va. Ok, il s'est juste barré. Même pas, non. Il a juste eu un débrouilleur. Ça se fait pas de faire ça, les mecs. Hein. Ça se fait pas. Ah. Conduit. Voilà. J'ai bien fait de le fermer, Jean-Mi. Non, ta gueule. Mais tu restes stylé. Oh non, 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 non. Bon, ouais, là, pour l'instant, il est dans les ventilations. Ça va. Ok, il est parti de la ventilation. Il est là, il est là. Il est... Alors, j'ai vu qu'il y a les cupcakes, là, vous voyez. Ça, là. Merde, putain, j'espère que je l'ai eu à temps. Je sais même pas. Ok, c'est bon, je l'ai eu à temps. Ouh, j'ai failli peut-être me faire sauter dessus par Photom Chica. Ça, faut vite l'esquiver. Si vous restez trop longtemps dessus, vous saute dessus. Ok. Putain, Ballon Boy. Oh là là. Bon, c'est vrai que quand on connaît pas le jeu de base, c'est... Comment dire, hein. Ça nous surprend, on sait pas trop ce que c'est les fantômes, mais quand on se prend le jumpscare, ça fait vraiment peur. Mais après, quand tu sais qu'ils tuent pas et que t'as l'habitude de te les prendre en pleine tronche, je peux te dire, je suis rassuré. Ouh. Là, normalement, je me le prenais, hein, mais bon. Ce que je vois, ils ont été gentils. Ok. Là, on le rappelle. Ouais, tu restes bien ici, Spring Trap. J'ai besoin de toi pour rester ici. Non. Reviens. Il est malin. Hein. Ok. On l'ignore. Ventilation, fait chier. Ok, là, il y a Phantom Freddy, donc c'est simple. Il faut juste l'ignorer. Ok. Il rentre dans l'event, mais je ne sais pas laquelle. Ça se trouve, il peut rentrer dans celle que j'ai fermée. Là, soit il en sort. Ok, il en est sorti. Ok, il est re-dedans. Ah, il est bête. Il croit trop que je la rouvre après. Après, je sais plus si le fait de fermer trop les caves, enfin, de laisser un conduit fermé, fait que du coup,
Comment dire? Ça impacte plus le fait d'avoir des erreurs pour la ventilation, mais pour l'instant ça va. Je sais pas. Il est retourné dedans, mais wesh, il va faire que ça. Le gameplay n'est pas très passionnant là. Il serait un peu temps que tu passes à l'action là. Enfin, en vrai, non, reste où t'es. Tu m'as pas entendu, j'ai rien dit. Mais wesh, il a un problème avec les ventilations. Il a un problème, c'est moi qui vous le dis. Ok, il est re-là. Spring trap. Oh non. Hello. Caméra, allez, audio, la caméra. Oh non! Ah, on entend. On entend. Ça, ces sons-là, de base, je les aurais jamais découverts grâce à. Au dossier FNAF. Sans eux, je l'aurais jamais su. Mais c'est vraiment des bruits de base, j'y faisais pas gaffe. Genre, je les entendais pas auparavant et on a déjà ici. On est trop fort. Et merde, je crois que j'ai oublié de mettre mon clavier en anglais. Bon, c'est pas grave, je vais devoir m'habituer aux touches WASD. On va juste essayer de voir si on peut. Merde. Si on peut tomber sur Shadow Bonnie. Je crois qu'il y a Shadow Bonnie dans ce. Dans ce mini-jeu vers la cove de Foxy. Pas vers la cove, mais vers le couloir qui mène au bureau près de la cove de Foxy. Ah non, ça c'est la réserve. Oui, t'inquiète pas, je vais te suivre après. Avant, je vais regarder un petit look. Hein. Tu peux être patient. Ah non, pas pour l'instant, il est pas encore là. Je vais juste faire monter par là, je vais aller plus, ça va plus vite. Les dents de Chica, enfin les dents de Chica sur le minigame comment elles ressortent. Ah putain, j'aime tellement pas les touches américaines, enfin les touches anglaises, je sais plus si c'est américain ou anglais. Mais j'aime tellement pas ça, c'est chiant, je sais pas comment ils font pour jouer avec ça. Hein. Après, eux, qui sont habitués, voilà. Ah, mes deux potes sont morts. Putain, enfoiré, va. Bon, du coup, c'est la quatrième nuit, mais bien sûr, on la fera la prochaine fois. Hein. Je fais une nuit par vidéo. La dernière fois, c'était juste spécial parce que, bah, il y avait. Mieux de toi, s'il te plaît, voilà. Parce que la nuit 1, il n'y avait rien et ça passe direct. Donc, du coup, c'est un peu normal que je fasse la nuit 2. En tout cas, j'espère que ce troisième épisode. Enfin, ce deuxième plutôt, hein, je m'en mêle les pinceaux carrément. J'espère que ce deuxième épisode sur Five Nights at Freddy's 3 vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros like et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et activez aussi la petite cloche des notifications pour du coup recevoir une notif de mes prochaines vidéos. C'était Izoko et je vous dis à la prochaine.